Alors, j'espère que t'as rien oublié. Non, pas du tout. Voyons voir. Ok, t'as rien oublié, n'est-ce pas? Mon téléphone. Où est ton téléphone? Oh, je l'ai. Ok, c'est bien. Ok, oui, ton argent. Ça, c'est pour ton... pour tes bouquins et tes dépenses à l'école. Oh, merci maman pour tout c'est ce que bon. Tu fais. Qu'est-ce que je peux faire? Allons-y. Ok. Cela me revient à l'esprit. Hier, c'était la fête des pères. Et tu ne m'as pas souhaité bonne fête des pères. Oui, ne me regarde pas de cette façon. N'essaie même pas, parce que je l'ai publié sur tous mes réseaux sociaux. Donc tu ne peux pas me dire que tu ne le savais pas. Maman, je n'ai pas juste vu la raison pour laquelle je devais te souhaiter bonne fête des pères. Tu n'es pas un père, mais... Non, la ferme et arrête de dire n'importe quoi. Ne laissez. Reviens ici. Reste ici. Reste là. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Non, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Oh! Est-ce que tu crois que c'est facile de donner naissance à un enfant et d'élever cet enfant toute seule? Je joue le rôle d'un père et d'une mère pour toi dans cette maison. Et tout ce que tu peux faire, c'est d'ouvrir ta bouche et raconter des sottises. Maman, tu ne m'as pas très bien compris. Non. Je t'ai bien compris la première fois. Je t'ai parfaitement entendu. Oh, je vois. Ah, Raymond. Tu ne m'as pas souhaité joyeuse fête des pères parce que tu penses que tout donneur de sperme est un père, n'est-ce pas? Non, dis-moi, c'est ce que tu penses, n'est-ce pas? Dans ta petite cervelle. Non, dis-moi, qu'est-ce qu'un père peut faire pour toi que je n'ai pas fait pour toi dans cette maison? Dis-moi, qu'est-ce qu'un père peut faire pour toi que je n'ai pas fait pour toi dans cette maison? Maman, je n'ai pas essayé de te retirer quoi que ce soit. Tu l'as déjà fait. Tu l'as fait, laisse-moi te le dire. Tu ne me souhaites pas bonne fête des pères, eh bien tu l'as fait. Mais tu sais quoi, je vais juste te faire semblant de pas savoir de quoi tu parles. Mais Raymond, méfie-toi. Méfie-toi. Maintenant, vas-y. Allons-y. Tu jacasses n'importe comment. Ce n'est pas ta faute. Parfois, je me pose des questions. Qu'est-ce que t'as dit? Non, plus fort. Allons-y. Alors, tu te rappelles de ce qu'on se disait? Je suis toujours très en colère contre toi. Tu vois, en fait, tu dois comprendre que... Attention! Jésus! Quoi? Oh Seigneur, je savais que ceci allait arriver. Je le savais. Regardez-le. Il ressemble à un drogué. Oh, je vais aller m'occuper de ça. N'importe quoi, il doit vraiment... Non, ne te dérange pas, je vais régler ça. Je le fais depuis des années. N'importe quoi. Monsieur, venez ici. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Êtes-vous fou? Vous êtes ivre? Vous garez au milieu de la route comme ça? J'ai failli cogner ma voiture à cause de vous. Oh, vous voulez me tuer? Vous n'allez pas me tuer, vous allez vous tuer vous-même, ok? Allez sauter dans une lagune ou attraper un transformateur. Espèce d'Adam, n'importe quoi. Est-ce que vous êtes fou? Au bon milieu de la route, juste comme ça? Vous êtes fou. Idiot. Regardez son visage. Comment peuvent-ils conduire comme des idiots en route? Ils veulent juste salir et casser ta voiture.
Et ils conduisent n'importe comment. Tous ces hommes stupides. J'ai failli cogner ma voiture, N'importe quoi. Hey, est-ce que vous êtes excusé? Est-ce que vous avez dit que vous étiez désolé? Regarde-toi, tu es un grand idiot. Vous êtes un idiot. Regardez vos yeux, ils sont même rouges. Vous avez bu n'importe quoi. Dégagez. Maman? Quoi? Pourquoi est-ce que tu traites tous les hommes d'Adam à chaque fois que tu es en colère? Écoute, laisse-moi conduire cette voiture en paix. Tu comprends? Tu ne m'as pas souhaité bonne fête des pères et je ne vais pas te pardonner pour ça. Oh maman! Tu poses des questions stupides. La fête des pères est juste pour les pères. Allez, pardon, dégage d'ici. N'importe quoi, t'es toujours en train de dire des bêtises. Après tout ce que tu m'as fait. N'importe quoi. Écoute, je veux conduire en paix, hein. Ne me stresse pas. Ne me stresse pas ce matin. Est-ce que tu me comprends? Ne me stresse pas du tout. Ce n'est pas le genre de message que je veux de toi. Va juste en ligne. Va en ligne et souhaite-moi bonne fête des pères. Là, je saurai que tu m'aimes beaucoup. Pas tous ces messages, s'il te plaît. Je suis fatiguée. Oh. Tu es venu me rappeler que j'ai cours à 11h30, c'est ça? Oui, monsieur. Je le sais, mais je veux vous parler de quelque chose. Oh, vraiment? Qu'est-ce que c'est? Alors, hier était la fête des pères. Et ma mère a fait cette publication en se décrivant comme le père et la mère de son enfant. Et elle voulait qu'on la traite comme telle, comme un père. Alors, comme je vous l'ai dit, mon père a été absent dans ma vie. Je ne l'ai pas connu. Tu m'as parlé de ça, ouais, tu l'as mentionné. Super. Alors, je n'ai pas souhaité délibérément à ma mère bonne fête des pères hier. Et ça l'a rendu dingue. Eh bien, mon opinion est que le père ne pourra jamais jouer le rôle de la mère. Et même une mère également ne peut pas jouer le rôle d'un père. Tu comprends? Même si elle te donne le monde entier, elle ne pourra jamais jouer le rôle que ton père jouera. Mais tu peux lui donner le titre d'être un bon parent. Un fabuleux parent, un merveilleux parent. J'ai aussi ressenti la même chose. Mais on dirait que j'ai commis le pire des péchés. Tu sais quoi? Mon fils m'a vraiment énervée aujourd'hui. Si ce garçon était encore un enfant, je lui aurais donné une bonne leçon. Ah, qu'est-ce que Raymond t'a fait ce matin? Raymond n'a pas liké, encore moins commenté mon post sur les réseaux sociaux à propos de la fête des pères. Mais pourquoi? Parce qu'il dit que je ne suis pas son père. Ça, c'est quelle bêtise. Ah, n'est-ce pas bien toi qui s'occupais de lui? Jouer le rôle de père dans sa vie? Dis-le-lui. Rita, tu dois raisonner ce gars. Tu dois le faire voir que tu es son père et sa mère. Mais tu as trop fait pour lui. Tu as fait beaucoup de choses pour lui depuis qu'il est enfant. Tu ferais mieux de vite agir maintenant, avant que ce donneur de sperme vienne réclamer son enfant. Dieu m'en préserve. Oui, que Dieu t'en préserve. Cela n'arrivera jamais. Pas tant que je serai là. Le ciel ne sera pas suffisant pour nous deux. Mais oui. Cela n'arrivera jamais. Ah. Ah, après toutes mes souffrances pendant combien d'années, va venir de nulle part réclamer quoi.
Salut, Rivonne. Salut, Vi. Quoi de neuf? Tu m'as fait attendre. Je suis vraiment désolée. J'étais dans le bureau du professeur. Oh, pouvons-nous y aller maintenant? Bien sûr. Allons-y. Désolée de t'avoir fait attendre. Ah, ce cours m'a épuisée. Tu es très belle. Je suis vraiment fatiguée. D'abord, regarde la tête que je fais. Je t'assure, je suis vraiment épuisée. Merci d'avoir accepté d'honorer mon invitation ce soir. C'est rien, je veux dire. Ce sont les affaires, n'est-ce pas? Alors... Tu es vraiment belle ce soir. Vraiment magnifique. Merci. De rien. Monsieur Tiquet, vous avez parlé de... votre connexion avec l'unique distributeur des produits Big Nani au Nigeria. Ouais. Rita, ouais. Dis-moi, comment est-ce que tu te détends après une journée de travail acharné? Car nous savons tous que la vie à Lagos est vraiment très stressante, je dois dire. Comment est-ce que tu fais? Eh bien, je rentre chez moi et je me couche sur mon lit après une journée de travail stressante. Intéressant. Ouais. Pour ma part, j'aime beaucoup nager. Oh. Ouais. Sais-tu nager? Oh non, non, je ne nage pas. Monsieur Dickey, vous n'avez pas répondu à la question sur l'unique distributeur des produits Big Nani dont je viens de parler. Ah, ça. Oui. Oui, oui. En parlant de ce sujet, je vais te donner un numéro que tu appelleras. Cette personne est la mieux placée pour te donner les informations dont tu auras besoin concernant ce business. Oui, mais pour l'instant, parlons d'autre chose. De quoi? Tu me plais. J'aime ta prestance. Et j'aimerais vraiment qu'on apprenne à mieux se connaître. Tu m'attires vraiment beaucoup. Voilà le mot. Monsieur Dickey, je suis venu ici pour parler affaires. Et j'apprécierais que vous arrêtiez de flirter avec moi, ok? Rita, il faut que tu te calmes. Si je voulais juste parler affaires avec toi, je t'aurais demandé de venir dans mon bureau. Écoute, nous sommes tous les deux des adultes et... Oui, je t'ai appelé... Je t'ai demandé de venir ici parce que je voulais qu'on apprenne à mieux se connaître. Mais encore, tu es vraiment très attirante, comme j'ai eu à le dire plus tôt. Et je tiens vraiment à ce qu'on se connaisse mieux. On pourrait être amis. De toute façon, je savais que je perdais juste mon temps en venant ici. Non. Excusez-moi. Rita. Rita. Ma ravissante mère est rentrée. Qu'est-ce que tu essaies de faire? Mais non, allez, maman. Donc tu penses que toutes ces choses que tu fais effaceront ce que tu m'as fait aujourd'hui? Ah, je veux juste. Alors tu ne sais pas qui est ta mère? Qu'est-ce que je t'ai fait? Tu ne sais pas ce que tu as fait aujourd'hui? Et tu me poses tes questions, hein? M'as-tu souhaité bonne fête des pères? L'as-tu fait? Alors va poser cette question à la personne à qui tu veux souhaiter bonne fête des pères. Dorénavant. Plus de questions. Maman. Quoi? Pourquoi soulever encore cette affaire? Écoute, je me débarrasse de tout ce qui concerne un rôle de père pour toi. Ok? Va chercher la personne qui prendra la responsabilité paternelle désormais. Est-ce que tu me comprends? Maman. Quoi? J'apprécie tout ce que tu fais pour moi. C'est tout ce que tu as à dire. Maman, tu es la meilleure. Je t'aime énormément. Oui. C'est tout ce que tu as à dire, n'est-ce pas? C'est un problème. Pas de soucis, on verra. Pas de soucis. Tu ne m'as pas souhaité bonne fête des pères et tu penses que je t'ai pardonné? Je ne t'ai pas pardonné.
Raymond, comment tu vas? Je vais bien, maman. Est-ce que tu te régales? C'est bon. C'est bon, juste bon. Maman, je pensais inviter un ami ici pour un dîner très bientôt. Et qui est cet ami à toi? Monsieur Mike. Il est mon professeur à l'école, un ami et aussi un mentor. Alors, pourquoi veux-tu l'inviter ici? Rien, juste pour approfondir notre relation. Tu ne peux pas le faire. Je ne laisserai pas de telles personnes chez moi. Pourquoi? Pourquoi? Oui, mais pourquoi? Raymond, est-ce que tu m'as déjà vu avec un ami masculin dans cette maison? Non. Est-ce que tu as déjà vu un membre masculin de la famille dans cette maison? Non. Je t'ai envoyé à l'école pour lire tes cahiers et avoir de bonnes notes. Et pas pour te pavaner partout et te faire des amis par-ci, par-là. Mais maman, la socialisation fait aussi partie de l'éducation. Tu ne m'envoies pas juste à l'école pour acquérir la connaissance académique, mais aussi pour être impacté par de bonnes valeurs morales. C'est une leçon valable qui m'aidera dans mon voyage dans la vie en tant qu'homme. Attends, Raymond, est-ce à moi que tu racontes tout ce charabia? Non, maman, j'essaie juste de me faire comprendre. Tu n'as pas à te faire comprendre. Est-ce que tu me comprends? Pas du tout. Tu ne m'as toujours pas dit pourquoi. Pourquoi? Ouais, tu ne m'as pas dit pourquoi. Ok, très bien. Je n'aime pas les hommes, c'est le pourquoi. Je ne les aime pas. La seule fois où je peux m'associer avec un homme, c'est juste pour des raisons professionnelles. Oui, des relations professionnelles, et c'est tout. En d'autres termes, tu me détestes aussi? Oh, la ferme. T'es mon fils. Je ne peux pratiquement pas te détester. Mais je suis un homme. Tu es un homme différent. T'es mon sang et ma chair. Okay. Pourquoi détestes-tu les hommes? Je ne peux pas répondre à cette question. Non, maman. Je dois connaître la raison pour laquelle ma propre mère déteste les hommes. J'ai dit que je ne pouvais pas répondre à cette question. Maman, j'insiste. Mais comment te sentiras-tu si d'autres femmes disent qu'elles détestent les hommes, y compris moi? Tu veux vraiment savoir? Exactement. Tu veux vraiment savoir? C'est la raison, en fait. J'ai été élevée par une mère célibataire. Et j'ai vécu des abus constants, humiliation que ma mère a traversée entre les mains de ces hommes méchants. J'ai tout vu ça. Ma mère souffrait d'une maladie. Elle était malade. Et pendant ses visites constantes à l'hôpital, quand l'un de ses hommes est venu, tu sais ce qu'il me faisait? Quoi? Tu veux savoir? Ces âmes. Ces âmes ont constamment abusé de moi. Ils m'ont molesté à chaque fois que ma mère n'était pas là.
Et je ne pouvais même pas le dire à ma mère. Est-ce que tu sais pourquoi? Je ne voulais pas la perdre. Je n'ai jamais voulu perdre ma mère, alors j'ai gardé son secret. Ensuite, j'ai dû aller dans la rue pour me battre pour ma mère. Comme ça, je pourrais m'occuper d'elle pendant qu'elle était à l'hôpital. Ces hommes inutiles. Ces hommes dans la rue. Ils ont abusé de moi. Ils m'ont molesté. Ils m'ont fait tout genre de choses. Ils m'ont fait tout genre de choses. Et je ne pouvais le dire à ma mère. Un de ces jours où ma mère est rentrée de l'hôpital, elle a vu son copain de l'époque en train de me molester. Cela a détruit ma mère. Cela a brisé ma mère. Et c'était l'une des raisons pour lesquelles elle est morte. Elle était brisée. Ensuite, j'ai rencontré ton père. Je suis tombée dedans. Et je pensais dans ma petite cervelle que j'avais rencontré mon prince charmant, que j'avais rencontré mon roi des rois. Ah, j'ai raconté à ton père tout ce que j'avais traversé entre les mains de ces hommes horribles. Je lui ai pratiquement tout dit. Et tu sais ce que ton père a fait? Ah, ton père m'a trahi de la pire des façons. Comment est-ce que mon père t'a trahi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Je t'ai dit que je suis enceinte de toi. Rita, encore? Comment tu peux laisser cette stupide chose arriver encore? Je ne suis pas intentionnellement tombée enceinte. On a fait l'amour et c'est arrivé. Des stupides excuses tout le temps. De toutes les façons, prépare-toi d'avorter cette grossesse parce que je ne suis pas encore prêt d'être père. Avortement encore? Allez, Ken. Nous ne sommes pas prêts pour cette grossesse maintenant. Faisons un avortement. Parce que nous allons nous marier en décembre, qui est dans quelques mois. Je n'aime pas ça, Ken. Juste penser à l'avortement me fait peur. Mais tu l'as déjà fait, n'est-ce pas? Mais cela ne le rend pas facile. Je ne comprends pas. Alors prépare-toi à être un parent célibataire. Ok, d'accord, je vais le faire. Ok. Alors mets quelque chose de convenable, comme ça on pourra aller faire l'avortement, ok? Ken, mais qu'est-ce que tu fais ici? Bonsoir, madame. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, bonsoir, Ken. Comment tu vas? Bien, merci. Bonsoir. 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 Comment vont ta femme et tes enfants? Je ne comprends pas. Quelle femme? Je ne comprends pas de quoi est-ce qu'elle parle. Ken, qui est-elle pour toi? Qu'est-ce qui se passe ici? Qui est-elle pour toi? Je ne comprends pas. Ken, dis quelque chose. Ken est mon futur époux. Je porte son enfant en ce moment. Je ne comprends pas de quoi est-ce que vous parlez. Non, tu dois être un blagueur. Ken, est-ce qu'elle dit la vérité? Parce que Ken, c'est présent à 3 enfants. Et il est déjà marié. Quoi? C'est vrai. Son enfant est né il y a de cela quelques semaines. Ken, vous êtes tous les deux des blagueurs. Qu'est-ce qu'elle raconte, Ken? Ken, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle dit la vérité? Qu'est-ce que se passe ici? Mon futur époux, nous devons nous marier en décembre. C'est quoi tout ça? Qu'est-ce que c'est?
Ton mari? Kendi, quelque chose. Quelle déception. Une grosse honte. Ken, c'est fini. Tu me déçois vraiment là. C'est mieux d'y aller. Après combien d'avortements? Où allez-vous? Ne partez pas. Kendi, quelque chose. Est-ce que c'est une blague? Après combien d'avortements, Ken? C'est quelque chose, tu ne peux pas me laisser comme ça. Qu'est-ce que je fais de ma fille? Oh, Seigneur. Ken, tu m'as détruit, tu m'as détruit. Ken, comment as-tu pu? Oh, mon Dieu. Et ce n'était pas tout. Tu sais, ses amis étaient au courant de tout ça. Ils savaient à propos de tout. Ils savaient que c'était un homme marié. Mais c'était juste des mensonges constants. Tu sais, genre, ils le protégeaient. Ils le protégeaient tous et me montaient. À chaque fois qu'ils me voyaient, ils disaient constamment « Notre femme, notre femme, notre femme. » J'étais enceinte de toi quand je l'ai découvert. J'ai découvert les mensonges. J'ai souffert. J'ai souffert. Tous mes rêves étaient brisés. Tous mes plans étaient détruits. Tous mes espoirs étaient détruits. Juste à cause de ton père. Je déteste les hommes. Je les déteste tellement. Je les déteste du plus profond de moi. Je les déteste. Je les déteste. Alors dis-moi, Raymond. Dis-moi. Si t'étais à ma place et avais traversé tout ce que j'ai traversé, dis-moi. Ne détesterais-tu pas les hommes? Seigneur. Maman, je suis vraiment désolé. Je suis vraiment désolé que tu aies traversé tout ça. Vraiment désolé. Est-ce que tu te régales? Tu aimes? C'est vraiment délicieux. C'est pourquoi je préfère qu'on vienne ici à chaque fois qu'on veut manger. Mais je crois que le restaurant d'Anita est encore mieux. Maman, je comprends. Anita est ton amie. Et elle achète les choses chez toi. Alors tu crois que tu lui dois aussi? Non, ce n'est pas vrai. Le restaurant d'Anita est vraiment meilleur. Et je veux dire, je ne lui dois rien. En plus, sa nourriture est meilleure et son espace est plus classe. Ah, cela me revient à l'esprit. Nous irons au cinéma la semaine prochaine, d'accord? Oh, ok. Ouais, c'est vrai. D'accord? Ouais. D'accord? Oui, maman. Ok. Bon, tu as vu ça? Quoi? Ton équipe joue aujourd'hui, mange ta nourriture. Ne me distrais pas avec ton football aujourd'hui, pardon, mange. Et je vous l'ai dit, d'accord? Je ne veux rien avoir à faire avec vous. Est-ce que vous me comprenez? Arrêtez de m'appeler. D'accord? Arrêtez ça. Merci. Est-ce que t'es prêt? Bien ok, sûr. Allons-y. Maman, ce monsieur Dickey, que veut-il de toi? Et que veux-tu faire avec cette information? Je vais juste savoir s'il est un ami. Un amoureux ou un admirateur. Quoi? Écoute, Raymond. Tu es encore un garçon. Je ne peux pas avoir cette conversation avec toi. Ce n'est pas tout à fait vrai, maman.
Le truc est que tu as besoin d'un homme dans ta vie. Quoi? Oui. Tu as absolument besoin d'un homme dans ta vie. Et je crois que tu deviens trop dur envers toi. Et tu es difficile à satisfaire. Alors, je veux me mêler et t'aider à faire le choix d'un homme bon. Raymond? Eh bien, je vais l'étudier. Investiguer sur lui et donner mes analyses et ma propre opinion sur sa personne. Avec ses arrangements, je ne pense pas que tu feras le mauvais choix. Raymond, si tu veux toujours que je te dépose à l'école, alors retrouve-moi dans la voiture. Allons-y. Maman. Ouais. Essayons ça pour moi. Laisse-moi juste faire mes investigations sur ce monsieur Dickey. Et fais-moi confiance, je te donnerai mes découvertes sincères. La ferme, j'ai pas besoin d'un homme. Mais maman, toute femme a besoin d'un homme. Tu es toute seule depuis que je suis née. Ah. Je pense qu'il est grand temps que tu laisses tomber et... La ferme, Raymond. Maman, pense-y. Je comprends à quel point tu as le cœur brisé en ce moment. Mais tu peux toujours retrouver le véritable amour. Ne prête pas attention à tous tes ennemis, pleins d'amertume. Raymond? Maman, il y a toujours des hommes bons avec de bons cœurs dehors. Est-ce que je t'ai déjà giflé? Tu ne l'as jamais fait. Ok, ce sera la première fois que je vais le faire si tu ne la fermes pas. Maman. Est-ce que t'es fou? T'as perdu la tête? Maman. Je vais te donner une bonne gifle. Oh, tu ris. C'est drôle, n'est-ce pas? Je ne t'en veux pas. Alors, cette tenue bleue que je voulais mettre avec la capuche, on va la prendre la semaine prochaine. On ne peut pas tout acheter aujourd'hui. Parce que je ne pense pas... Hein? Qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Est-ce que vous avez des problèmes avec vos yeux? Hein? Maman. Êtes-vous stupide? Maman, tu l'as heurté et je crois que tu devrais t'excuser. Quoi? Moi, m'excuser? Même s'il a un millier de démons derrière lui, il doit s'excuser. Maman. Quoi? Pour être honnête, tu as tort. J'ai tort? Qu'est-ce que tu sais à propos d'avoir raison ou tort? Hein? Que sais-tu sur la raison ou le tort? Va dans la voiture. N'importe quoi. Tu ne viens pas? Tu veux rester là-bas? Ok, reste là. Va devenir le vendeur de la boutique. Que sais-tu sur avoir raison ou tort? Oh, Raymond. Monsieur, vous sortez? Ah oui, je suis en train de sortir, mais je peux te donner quelques minutes si tu veux. D'accord, merci monsieur. Ok, prends place. Alors monsieur, j'avais une conversation avec ma mère ce matin, et elle a dit qu'elle n'a plus besoin d'un homme. Tu crois qu'elle a besoin d'un homme? Bien sûr. Pourquoi? Écoutez, monsieur, ma mère n'a jamais été mariée avant. Elle m'a eu hors mariage. Elle est encore au début de sa quarantaine. Et elle est encore très belle. C'est tout? Écoute, Raymond, si ta mère dit qu'elle n'a pas besoin d'un homme, alors elle n'a pas besoin d'un homme. Ou alors que veux-tu qu'elle fasse? Est-ce que tu vas lui forcer à avoir un homme? Écoute, ces choses viendront naturellement, et non par la force. Est-ce que tu comprends? D'accord. Bonjour, monsieur. Elle sera avec vous dans peu de temps. Ah, ok, merci. Salut, Thor. Salut. Que puis-je faire pour vous? Je suis venu pour que nous puissions parler. Pour parler? Ok. Vous voulez parler de quoi?
Pourrais-tu au moins m'offrir un endroit où m'asseoir? Non, non, je ne permets pas de visites sociales dans ma boutique. Oh, d'accord. Peut-être peut-on aller ailleurs pour discuter. Monsieur Diguet, allez-vous-en. Rita, il faut que tu te calmes et que tu m'écoutes d'abord. Ne me dites pas de me calmer. Écoutez, je ne voudrais pas vous manquer de respect. Et je déteste me répéter. Ok? Alors, monsieur Diguet, dehors. Sais-tu que ta beauté rayonne comme un cristal lorsque tu es en colère? Jésus. J'ai une confession. Je suis tombé amoureux de toi. Dégagez. Dégagez. Rita, il faut que tu te calmes et que tu me laisses une Dégagez. Chance. Dégagez. Rita... Dégagez. 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 Rita. J'ai dit de dégager tout de suite. Ok. Mais je suis amoureux de toi. À plus. Salut, V. Désolée de t'avoir fait attendre. Oh, pardon. Ce n'est pas une bonne chose de faire attendre une femme. C'est pour ça que je me suis excusée. Je sais que ce n'est pas une bonne chose de faire attendre une personne. Et encore moins une femme. Arrête, arrête, arrête. Tu veux juste protéger ton intérêt. Allons-y. Bien sûr. Mais je dois rencontrer M. Mike dans 30 minutes. Toi et ce M. Mike. Ce M. Mike t'aime bien, oh. Toi et moi ne pouvons pas échouer dans sa matière. Cela veut dire que tu ne connais pas M. Mike. Si j'obtiens 0 à l'examen de M. Mike, il ne va effacer ce résultat en aucun cas. Il me donnera 0. J'ai compris. Oublie ça, allons-y. M. Mike et toi, vous êtes proches. Alors quoi de neuf? Pardon, je suis fatiguée, tu m'as fait attendre pendant longtemps. Je suis vraiment désolée de t'avoir fait attendre, tu comprends? Montre-le-moi. Ah, oh. J'aime bien. Vraiment. J'aime la texture, la couleur. Oh, c'est vraiment très joli. Oui, ça l'est. Ah. Oh. Merci. 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 Ma puce. J'étais vraiment en colère contre lui. S'il refusait de partir, j'allais lui faire quelque chose d'horrible. À croire que ce gars pourrait même avoir une femme quelque part. Mais il court après toi et il ouvre sa grande gueule comme un robinet. Épargne-moi ça, ce genre, oh mon Dieu, c'est fou, les hommes. Que Dieu les aide. Je t'assure, j'ai pitié de toute femme qui fait confiance à un homme. Les hommes, ne les faites pas confiance. Toute femme qui fait confiance à un homme, le désastre attend cette femme. Copine, tu sais quoi? Je n'ai pas besoin d'un homme. Honnêtement, je n'ai pas besoin d'un homme pour quoi que ce soit. Je veux dire, pourquoi aurais-je besoin d'eux? J'ai une affaire prospère. J'ai ma propre maison. J'ai un fils. Pourquoi aurais-je besoin d'un homme, dis-moi? Pourquoi aurais-je besoin d'un homme? Rien. Mais en y réfléchissant. Et si tu es excitée, ou peut-être tu as envie du sexe, ou autre chose. Je paye pour ça. Oh oui. D'accord, je le reçois très bien. Oui, le seul moment où j'ai besoin d'un homme, c'est pour une relation professionnelle. Et c'est tout. Voilà, ça résout. Ouais, meuf, prends quoi ça? Attendez. Je vais sans doute prendre la noire. Le vert est mon préféré. Ouais. Attends, je vais chercher quelque chose pour marier l'auto. Celle-là. Celui-ci, n'est-ce pas? Oui, c'est ta pointure. Ouais, bien sûr. Parfait. Quoi d'autre? J'aime ça. Qui va payer? Toi, bien sûr.
Je paie et toi tu choisis, c'est ça? Bien sûr, tu dois être mignon pour moi. Ouais, c'est ça. C'est bon. Ok, juste un dernier. Pas de noix, blanc. Ouais, je préfère ça. Merci. D'accord. De rien. Bonjour. Salut. Merci d'avoir fait vos achats ici. Pas de quoi. D'accord. Ok. Ok. Je vais retirer votre sac. Je les mets là. Ici, oui. Regarde ces chaussures. Elles sont tellement jolies. C'est de la bonne qualité. Ok, voilà. Oui, un instant s'il vous plaît. Ici, c'est bon. Ok. C'est fait. C'est bon, c'est tout? Oui, c'est tout. Ok, je suis d'accord. Très bien. Ok, super. J'espère que vous avez aimé. Oh oui, bien sûr. Ok. On a bien aimé. Super. 200 000 lira. Ouais. D'accord. Oui, bien sûr. J'ai pas ma carte sur moi, alors je vais vous faire un transfert. C'est bon? Ok. Très bien, confirmez s'il vous plaît. Ok, je vais le confirmer avec mon boss. Merci, vos sacs. Madame, s'il vous plaît, confirmez le paiement. C'est bon, okay, j'ai reçu. Ok, merci. Très bien. Merci beaucoup, merci. Pas de quoi. Ok. Bye. C'est sûr à vous. Ok, bye. Bye. Bye bye. Bye. Cet endroit est plutôt classe. Merci. Oh, je crois que j'ai oublié mon téléphone. Ton téléphone? Ouais. À l'intérieur. Attends, je vais le chercher. Ok, merci. Tu dois remplir tous les espaces vides, d'accord? D'accord, madame, d'accord, madame. Et aussi... Est-ce ton téléphone? Non, madame. Oh. Je pense que la femme qui vient tout juste de partir... C'est désolé, son téléphone. C'est ma sœur qui a laissé son téléphone. Oh, j'ai parlé à ma caissière. Désolé. Oh, cette fille, elle peut oublier même son nom. Ça arrive parfois. Ouais, je sais. Ouais, je pensais en fait que... Quelle était votre femme? Ma femme? Oui. Non, c'est ma sœur, mon unique sœur. Oh, fait. Je vois. Elle est venue faire du shopping avec moi parce qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Oh, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Ouais. Et en passant, vous avez de très bonnes choses, là. Merci. Nous vendons juste des choses de qualité et nous vendons tous les jours. Je vois. Je vois. Je vais revenir d'accord, le week-end. Merci. Je vais sans doute revenir. Merci beaucoup pour vos achats. Pas de quoi. J'espère que tout vous ira et que vous allez les aimer. Bien sûr, je vous donnerai un compte rendu. Ok, merci. Alors, le stock d'aujourd'hui, tu vas devoir remplacer tous ces espaces vides là et même au niveau des chaussures. Okay. Regarde par là. Merci. D'accord, tiens. Allons-y.
Bonsoir, monsieur. Bonsoir. C'est bien la maison de Rita? Oui. Qui êtes-vous? S'il te plaît, dis-lui juste que monsieur Dickey est là pour la voir. Est-ce qu'elle vous attend? Je veux dire, est-ce qu'elle sait que vous veniez? Pas vraiment, je voulais juste lui faire une surprise. Raymond? Qui est-ce? Quoi? Que faites-vous ici? Et comment avez-vous trouvé où je vis? Je suis juste venu te voir, ma belle. Vous êtes sans vergogne? Ou vous êtes juste un gros con? Rita, tout ce que je te demande, c'est que tu prennes un instant pour m'écouter. Écoute-moi, s'il te plaît. Sortez de ma maison. Rita, s'il te plaît, calme-toi et écoute-moi. S'il te plaît. J'ai dit, sortez de ma maison tout de suite. Et Raymond, ne laisse plus jamais cet homme entrer dans ma maison. Est-ce que tu me comprends? Non, ne fais pas ça, s'il te plaît. Si tu n'es pas à l'aise de me voir chez toi, on peut très bien aller ailleurs pour s'asseoir et discuter. Sortez de ma maison tout de suite. Seigneur, si vous ne vous respectez pas, vous n'en méritez aucun venant de moi, ok? Excusez-moi. Maman. Dehors. Rita, il faut que tu te calmes. Tu veux qu'il parte, c'est oui, ça? Oui, je le veux maintenant. Il va partir, s'il te plaît, détends-toi. Ok. Hors de ma maison tout de suite. Il s'en ira. Et ne revenez plus jamais. Est-ce que vous me comprenez? Écoutez, c'est monsieur, bon, vous je vais m'en aller. Dehors! Je vous en prie. Rita. Dehors. Maintenant. Dehors, tout de suite. Dehors! Je suis désolé pour le comportement de ma mère. Je m'appelle Raymond. Pas grave. Ravi de te connaître, Raymond. Merci, monsieur. Je crois que vous avez tout fait en venant chercher ma mère ici sans prévenir. Je veux dire, vous aurez dû lui dire que vous venez, même comme je sais qu'elle n'allait pas vous accueillir. Quel âge as-tu? 19, monsieur. Super. Merci beaucoup, t'as été sympa. D'accord, monsieur. Prends soin de toi, ouais. T'es un chic type. Bonne soirée. Alors, que faisais-tu là dehors? J'ai pensé que je devais lui dire la vérité. Quelle vérité? Venir ici te voir sans prévenir n'était pas une bonne démarche. Oh. Écoute, Raymond. T'es pas obligé de t'impliquer dans tout ceci. Est-ce que tu me comprends? Que ce soit une bonne ou une mauvaise démarche, ça ne te regarde pas. Il a l'air d'avoir un béguin pour toi. C'est ton genre? Oh, maman. Même si tu n'as pas besoin d'un homme, ne crois-tu pas que j'ai besoin d'une figure paternelle dans cette maison? De quelle stupide figure paternelle as-tu besoin? J'ai besoin d'une figure paternelle. Oh, t'as besoin d'une figure paternelle, t'es sérieux? Ah, pas de problème. Vu que t'as besoin d'une figure paternelle, tu sais ce que tu vas faire. Tu vas quitter cette maison, hein? Tu iras te fabriquer ta figure paternelle loin d'ici, que tu pourras voir chaque jour. N'importe quoi, t'as besoin d'une figure paternelle. Mais écoute ce garçon, tu me tentes. Je te l'ai dit. Je joue un rôle paternel et maternel pour toi dans cette maison. Ne me prends pas pour acquise. Et je ne veux plus entendre parler de cette stupide figure paternelle dont tu me parles. N'importe quoi. Figure paternelle, mon... Comment est-ce que je le convainc de me voir comme une figure paternelle et maternelle en même temps? Comment est-ce que je le convainc que je suis une figure paternelle pour lui? Comment? Comment est-ce que je la convainc qu'elle a besoin d'un homme dans sa vie?
Ouais. Elle a besoin d'un homme pour l'aimer. Elle a fait se sentir comme une femme. J'en ai marre qu'elle veuille devenir une femme et un homme en même temps. Combien tu chartes avant nous là? Neuf. J'ai arrondi à 10. Très bien, ajoutez ça. Nous avons aussi des pantalons. Oh! Il y a de cela 2 semaines, j'ai acheté 12. Je pense que je vais prendre ça pour le moment. D'accord, c'est ouais. Bon. C'est bon, merci beaucoup de nous avoir apporté votre clientèle. Il n'y a pas de quoi, madame... Mademoiselle qui... Rita. Mademoiselle Rita, je croyais que vous étiez mariée. Vous l'avez cru? Oui, bien sûr. Je ne suis pas mariée, je ne le suis pas. Vous avez un bel endroit une fois de plus. Merci, merci beaucoup. Vous êtes un régulier en fait. Merci beaucoup de toujours venir ici. Et j'en achèterai plus. Oh, merci. Merci. Pas de quoi. Salut, j'ai oublié quelque chose. Oh, est-ce que tout va bien? En fait, j'ai oublié de prendre votre numéro. Oh, ok. J'espère que ça vous dérange pas. Non, non, c'est bon. D'accord, je vais vous appeler. D'accord, à plus. Bye. Bye. Chériwa, allume la clim, s'il te plaît. Bonsoir, Monsieur Diké. Bonsoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez de moi, le fils de Rita. Oh, oui, comment tu vas? Je vais bien. Que fais-tu dans cet hôtel? Eh bien, je suis ici pour vous parler. Tu veux me parler? De quoi? À propos de votre intérêt sur ma mère. Ok. Je veux que vous vous éloigniez de ma mère. Parce que vous n'êtes pas l'homme qu'il lui faut. Quoi? D'après mes investigations, j'ai constaté que les femmes ne sont que vos jouets. Et ce n'est pas le genre de personne que je veux pour ma mère. Je veux un homme sérieux pour elle. D'où sors-tu toutes ces conneries? Je sais exactement de quoi je suis en train de parler. Exactement comme je connais la raison pour laquelle tu es ici. Dis-moi, pourquoi suis-je ici? Écoutez, le truc est que je garde un œil sur vous, ça fait déjà un bon moment. Ma mère est très grande pour être votre jouet. Alors, s'il vous plaît, laissez-la tranquille, s'il vous plaît. Bonne nuit, monsieur. Vas-tu disparaître de ma vue? Dégage d'ici. Oh.
Est-ce qu'un jeune homme est venu ici te parler? Non, me parler de quoi? Laisse tomber. Où est Doris? Dans sa salle de bain. Dis-lui de se dépêcher maintenant. Ah ah. Pourquoi? Je pensais qu'on était ici pour dormir. Oui, mais nous allons changer de chambre. Quelqu'un a fourré son nez dans nos affaires, alors je voudrais qu'on quitte cette chambre. Si possible, changer d'hôtel. Doris, dépêche-toi, s'il te plaît. Il faut vraiment qu'on parte d'ici. Qui est ce garçon? Qu'importe. Ok, je vais juste prendre mes affaires. Raymond. Bonsoir, maman. D'où est-ce que tu viens? Je suis allé voir un ami. Ok. Maman, pouvons-nous parler? De quoi devons-nous parler? À quel point connais-tu M. Dickey? Et en quoi est-ce que ça te concerne? Eh bien, j'ai cru que je devais te faire savoir qu'il a une faiblesse inquiétante en tant qu'homme. Et à ce sujet, il n'est pas le genre d'homme avec qui tu aimerais t'associer. De quoi diable est-ce que tu es en train de parler? Ce que je veux dire, c'est que M. Dickey ne sait pas encore ce qu'il veut d'une femme. Oh. S'il te plaît, ne le laisse pas dans ton espace. Oh. Premièrement, aucun homme ne rentrera dans mon espace. Et deuxièmement, tu devrais être plus concerné par tes études et en faire ta première priorité et ton but. Et pas te parler d'un homme qui vient dans mon espace ou pas. Raymond, concentre-toi sur tes études et laisse mon espace, s'il te plaît. Oh, ta nourriture est dans la cuisine. Je t'ai déjà servi. Va la chercher. D'accord, maman. J'ai très faim. Tu devrais l'être. Est-ce que tu as mangé chez ton ami? Non. Ok. Allô, mademoiselle Rita. Allô? Bonjour, c'est monsieur Mike, votre nouveau client. Ah, ok. Je pense que je me rappelle de la voix. Comment vous allez? Je vais bien. Et vous? Je vais bien. Je me demandais si on peut déjeuner aujourd'hui. Vous savez, après le boulot. Pourquoi? Je veux dire, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez... En fait, il y a beaucoup de choses que nous devrions parler. Oh, vraiment? Oui. Eh bien, si c'est une conversation professionnelle, je serai prête à déjeuner avec vous. Mais si c'est personnel, ça n'arrivera pas. Eh bien, la vérité, c'est que je vous aime bien et j'aimerais apprendre à vous connaître mieux. Je n'ai pas d'amis masculins. Tout ce que j'ai sont des associés d'affaires masculins. Ah, d'accord. Si c'est le cas, j'imagine que je vous parlerai plus tard. Ok. Bye. Passez une bonne journée. Raymond. Bonjour, monsieur. Tu as très bien travaillé dans ton examen l'autre jour. Merci beaucoup, monsieur. Pas de quoi. Monsieur, j'écoute dans 10 minutes et je suis venu vous demander une faveur. D'accord, vas-y. Ok, monsieur. Alors, j'aimerais vous inviter à dîner chez moi ce soir. J'aimerais vraiment que vous rencontriez ma mère. J'aimerais que vous deveniez un ami de la famille, pas juste mon ami. Un ami de la famille? Oui, monsieur. Ok, d'accord. Merci beaucoup. À quelle heure? Disons 20h. À 20h. À plus alors. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Je dois partir maintenant. D'accord, bien merci, sûr. Merci, monsieur. N'oublie pas de me communiquer l'adresse. D'accord, monsieur. D'accord.
Raymond? Maman, tu es déjà là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Tu es surprise, n'est-ce pas? Oh oui, je suis surprise. Eh bien, je suis en train de cuisiner. Le dîner sera bientôt prêt. Attends, t'es en train de cuisiner? Ouais. Quand as-tu commencé à faire le dîner? Disons... aujourd'hui. Oh. Ok, qu'est-ce qui se passe et qui est cette personne spéciale? Laisse-moi voir, qu'est-ce que tu cuisines? Maman, non. Ah, ah. Regardez mon garçon. Ok, quelqu'un de spécial viendra pour dîner. T'es sérieux? Quelqu'un de spécial? Qui est cette personne spéciale? Tu ris. Oh! Raymond, t'as une petite amie. Raymond, t'as une copine. Et tu l'as invitée à dîner pour me l'introduire, n'est-ce pas? Maman, pourquoi est-ce que tu n'attends pas que la personne arrive ici? Ensuite, je ferai les présentations. Ah, ok, alors qu'est-ce que tu cuisines? Maman, non. Ok, c'est bon. Alors, qu'est-ce que tu cuisines? Je ne te le dirai pas. Quand ça sera prêt, tu verras. Ok, compris. Ouais. Pas de soucis. Mais peu importe ce que tu cuisines, rassure-toi que ça est bon goût, d'accord? Ce sera bon, ce sera délicieux. Ok. Maman, non. Ok, non. Vas-y, continue. D'accord? D'accord, maman. Ah, chef Raymond à la cuisine. Hey. Ouais, maman. Ok, je te verrai plus tard. Raymond? Oui, maman? Qu'est-ce qui se passe? Où est ton invité? Il n'est pas encore là. Elle n'est pas encore là? Pourquoi ne l'as-tu pas appelée pour demander si elle arrivait déjà? Oh, quelqu'un à la porte. Oh, ok. Je reviens. Ok. Bienvenue, monsieur. Salut, Raymond. Bienvenue, monsieur. S'il vous plaît, suivez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Maman? Que faites-vous ici? Vous êtes son fils? Vous vous connaissez? Ouais. Bien sûr. On se connaît. C'est très drôle. C'est très amusant. C'est wow. Marrant. Ce gars n'est pas sérieux. Pas du tout. Waouh. Mais attends. Ah, il se fait vraiment tard. Tu dois partir maintenant. Tu sais que je ne voulais pas que tu viennes en premier lieu. Ma sœur sera bientôt de retour et tu sais qu'elle n'aimerait pas te trouver ici. Bébé, je ne peux pas vivre sans toi. Vas-y maintenant. S'il te plaît, écoute-moi. Ok. Je pourrais tout faire juste pour être avec toi. Ok, mais... mais? Mais quoi? Pas de mais, s'il te plaît. Ok? Arrête. Viens là, s'il te plaît, allez, viens là. S'il vous plaît, partez. Oui. Maman? S'il vous plaît, partez. Maman. C'est mon professeur. Je l'ai invité à dîner. Je m'en fous. Pouvez-vous sortir de chez moi tout de suite? Vous m'avez invité pour le déjeuner, j'ai refusé et vous avez le toupet de venir chez moi. Non, écoutez. C'est pas ce que vous croyez. Je n'avais aucune idée que vous étiez sa mère. S'il vous plaît, partez de chez moi tout de suite. Maman, tu te trompes sur toute la ligne. Oh. Je l'ai invité ici, comme ça il pourra dîner, alors il pourra devenir un ami de la famille. Cela n'arrivera jamais. Est-ce que tu me comprends? Cela n'arrivera pas. Sortez de ma maison maintenant. Raymond, je te verrai demain. Allez-vous-en. Je suis vraiment désolé pour tout Allez-vous-en. Ça. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi?
Pose tes fesses là et nous allons dîner. Assieds-toi. N'importe quoi, je t'ai averti à maintes reprises à propos de ça. Arrête d'inviter les hommes dans cette maison. La reine! La reine! La reine! Ça lui fait perdre la tête. Ah! Bonjour, maman. Qui était cet homme que tu as amené la nuit dernière à la maison? Oh. Mon professeur. Ouais. C'est un homme bon. Pourquoi l'as-tu amené dans cette maison la nuit dernière? Rien d'important. Je voulais juste que vous deviniez des amis. C'est un jeune homme très gentil. Il n'est pas marié. Je veux dire qu'il fut. Mais il a divorcé. Et il est présentement... Oh, la ferme! La ferme, Raymond! Ferme ta sale gueule! Donc, tu veux que je sorte avec lui? Oh non, maman! Maman! Le truc est que... tu as besoin d'un homme. Oh! Je veux dire, regarde autour de toi. Tu as déjà tout obtenu. Tu es riche. Tu as une très belle maison. Tu as ton propre business. La seule chose qui reste, c'est un homme dans ta vie. Et j'ai fait des investigations sur M. Mike. Il est très propre. Et il fera un très bon partenaire pour toi, maman. Si je te gifle, si je te donne une bonne gifle, si je te gifle, Raymond, ça, c'est la dernière fois que tu amènes un homme dans cette maison. Est-ce que tu comprends? Si tu sais encore ça, si tu sais encore ça, Raymond... Maman, nous devons vraiment parler. Nous devons nous asseoir et parler. Ta haine contre les hommes à cause de ce que mon père t'a fait ne change pas toujours le fait que tu aies besoin d'un homme dans ta vie. Raymond, tu me réponds? Hein? Est-ce que tu me réponds? Ah, t'es chanceux que je sois en train de sortir. T'es chanceux aujourd'hui, c'est ton jour de chance. N'importe quoi, l'investigateur. Je suis vraiment désolé, monsieur. Je suis désolé pour ce qui s'est passé la nuit dernière. Je suis désolé. Ce n'était pas mon intention. Mon intention était de vous présenter à ma mère. Je ne savais pas que vous vous connaissez. C'est bon, Raymond. En fait, je suis allé dans sa boutique il y a cela quelques jours. J'ai eu son numéro. Je l'ai invité pour un dîner et elle a refusé. Vous êtes même chanceux qu'elle ait refusé. Pourquoi? Parfois, ma mère devient très violente lorsqu'il s'agit des hommes. Mmh. Ouais, j'espère qu'un jour, elle réalisera l'importance d'un homme dans sa vie. Pourquoi tu dis ça? Écoute, je pense que tu devrais laisser les choses au destin. Le destin en décidera. Ok? Ok, on verra bien. D'accord. Alors, maman, j'ai une nouvelle pour toi. Ok. J'espère que tu aimes les fraises. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. J'aime tellement. D'accord. Très délicieux. Attends quelques secondes. Je veux la BM, celle-ci. Ok. Tu aimes vraiment? J'adore. Tu es heureuse? Bien sûr que tu me rends heureuse, bien sûr. Ok, maman. Tu me rends vraiment heureuse. Imagine M. Mike en train de le faire. Tu sais, les hommes sont importants de la manière. Raymond. Je ne serai pas celui qui fera ça tout le temps. Thank you.
Salut, mademoiselle Rita. Salut. Alors, combien ça fait? Ça fait 58 220 naira. Ok. Désolée, je vais aller chercher ma carte dans la voiture. Vous pouvez utiliser ma carte. Il n'y a pas de problème, utilisez-la. Non, non, vous ne pouvez pas le faire. Vous ne pouvez pas. Oh, je n'apprécie pas de tels gestes. Je ne voulais pas vous manquer de respect. J'essayais juste d'être gentil. Désolée, madame. Non, ne m'appelez pas comme ça. C'est très méprisant. Je ne suis pas votre dame. Désolée, je ne voulais pas vous manquer de respect. Désolée, mon œil. Excusez-moi, je reviens. D'accord, madame. Mademoiselle Rita, j'ai vu de la colère dans vos yeux quand vous étiez en train de me parler à l'intérieur. Et je me dis que c'est à cause de la visite de la nuit dernière. Je suis désolé pour ça. Je me suis dit que c'était bien de clarifier les choses, vous voyez. Il n'y a rien à clarifier, ok? Essayez juste de ne pas vous trouver dans mon espace personnel. Et tout ira bien. Madame Rita, la seule raison pour laquelle j'ai essayé de payer vos achats était premièrement parce que vous n'aviez pas votre carte. Et deuxièmement, votre fils est mon ami. Et troisièmement, je vous aime. Ne mêlez plus jamais mon fils à tout ceci. Est-ce que vous me comprenez? Ne le refaites plus jamais. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai pas le temps pour les hommes comme vous et vos jeux. Alors éloignez-vous de mon chemin, d'accord? C'est compris, j'espère. Mademoiselle Rita. Excusez-moi. Ah! Comment vas-tu, Stella? Dieu merci, t'es ici. Parce que je deviens folle. Ah, c'est quoi le problème? C'est mon fils. Raymond? Oui. Qu'en est-il de Raymond? Tu t'imagines, ce garçon essaie de me faire sortir avec son professeur à l'école. Désolée si j'ai ri. Mais attends, vraiment? Oui, et celui-là m'a vu au supermarché et a décidé de venir de nulle part payer mes achats. Mais c'est quoi cette bêtise? Alors, qu'as-tu fait? Fais-moi confiance, je l'ai grondé. Ok, c'est bien, je te fais confiance. Mais attends. Tu as dit que Raymond essaye de te faire sortir avec un homme. Tu peux le croire, ce garçon d'hier. Je ne comprends même pas. Il essaie de... ce garçon. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il essaie de prouver? Ok, maintenant, toute cette histoire est très drôle. Alors, quelle raison a-t-il donné? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ces enfants d'aujourd'hui, oh mon Dieu. Aïe, j'ai souffert. Raymond, mais regarde-moi. Salut Raymond, comment tu vas? Je vais bien. Ok. Ah, une longue journée, je suis tellement fatiguée. Ah, Raymond? Oui, maman? Monsieur l'entremetteur. Ah, ton professeur, je ne sais pas ce qu'il a essayé de faire aujourd'hui, qu'il ne l'essaie plus jamais. Parce qu'il y a des choses que je ne permets pas aux gens, même pas toi, mon fils. Qu'est-ce qui s'est passé, maman? Je ne sais pas ce que tu as dit à ton professeur, je ne sais pas ce que tu lui as raconté. Mais la prochaine fois qu'il jouera à ce jeu stupide pour attirer mon attention, il ne trouvera plus ça jamais drôle. Ok? Qu'il ne refasse plus jamais ça. Dis-lui que j'ai dit ça. D'accord?
Allô, monsieur. Salut, Raymond. Comment tu vas? Je vais bien, monsieur. Et vous? Ouais, je vais bien. Monsieur, s'il vous plaît, vous avez vu ma mère? Elle est au supermarché et j'ai essayé de payer pour les achats qu'elle avait. Parce qu'elle n'avait pas sa carte avec elle. Elle l'a juste mal pris et elle a refusé. Elle a dit que vous avez essayé d'attirer son attention aujourd'hui. Je pense qu'elle vous aime néanmoins. Aimée? Je doute vraiment, t'aurais dû voir son regard quand elle m'a vu. Pourquoi? Pourquoi es-tu tout habillée? Je pensais qu'on était censé partir à 20h. Maman, désolée. Je crois qu'on va devoir envoyer. Quoi? Je dois rejoindre Vanessa à la fête d'anniversaire d'un ami cette nuit. Quoi? Donc tu vas choisir l'anniversaire d'une autre personne à ma sortie avec toi? Maman, ce n'est pas juste à cause de la fête d'anniversaire de quelqu'un. Vanessa ira à cette fête d'anniversaire ce soir. Et elle m'a demandé d'être avec elle. Et étant donné qu'elle est une personne importante pour moi, je dois lui accorder cela. Donc tu vas choisir Vanessa que ta mère? Vraiment? Maman, je n'aime pas quand tu parles ici. Ok, demain c'est dimanche. Nous irons à la plage. Elle est déjà là. Je vais ouvrir. Salut, Vie. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, merci. Super. Maman, je dois partir. Ok. À plus. Bye. Prends soin de toi, maman. Bienvenue, wow. Maman. Comment tu vas? Bonsoir. Bonsoir, comment tu vas? Je vais bien, merci. Oh, ok. Alors, tu veux la raccompagner, n'est-ce pas? Non, nous partons à un rendez-vous. Mais je croyais qu'on était censé sortir ensemble aujourd'hui. Renvoyons la semaine prochaine. Oh, ok. C'est bon. Ça va aller. Ok, à plus. D'accord, madame. T'es sûre qu'elle va bien? Bien sûr. Allons-y. Je l'espère bien. Maman, tout va bien? Oui, ça va. Tout se passe bien. Oh. Les ventes se sont très bien passées aujourd'hui. Ouais, il y a eu beaucoup Désolé. De ventes. Allô, bébé, quoi de neuf? Non, je ne suis pas à la maison. Je suis à la boutique avec maman. Tu veux me voir maintenant? D'accord, je serai avec toi dans un peu de temps. Bye bye. Et où est-ce que tu vas? Je pensais que t'étais censé passer du temps avec moi. Oui, maman, mais Vanessa a urgentement besoin de moi. Et j'ai pas besoin de toi? Non, maman. Je ne peux pas continuer à jouer le rôle de l'homme dans ta vie. J'ai choisi mon chemin, je ne sais pas pour toi. Que veux-tu dire par là? Maman, je te verrai plus tard, je reviens. Mais je ne comprends pas. Pourquoi cette femme décide de donner autant de maux de tête aux étudiants cette fois-ci? Cette école, on ne réfléchit pas du tout. Mais ça n'a aucun sens qu'on augmente la scolarité de 70%. Nous devons faire quelque chose par rapport à cette augmentation. Parce que la dernière fois, c'était très difficile pour mes parents de payer ma scolarité. Et maintenant, ils ont ajouté 70%. À ce stade,
Je vais laisser tomber les cartes. Non, tu ne laisseras pas tomber. Cela n'arrivera pas. J'ai peur. J'ai peur que c'est ce qui va m'arriver. À moins que cette protestation ait lieu. Et à moins que l'autorité ne fasse quelque chose pour ça. Bien sûr, la protestation aura certainement lieu. Nous ne lâcherons pas l'affaire. À moins que l'administration de l'école décide de changer d'avis. Je l'espère. Ouais, ça arrivera. Partons d'ici. Tout ira bien. Shadewa, viens prendre ce stock de nouveaux articles. Allô? S'il te plaît, viens à l'hôpital Destiny tout de suite. Il y a un problème. Quoi? Viens juste à l'hôpital tout de suite, s'il Jésus. Te plaît. Ok. Shadewa? Shadewa? Rita? Comment va mon fils? Il va bien. Il va bien? Oui, c'est toi qui m'as appelé, n'est-ce pas? Oui, c'est moi qui t'ai appelé. S'il te plaît, où est le Attends, médecin? Attends, il est avec le docteur. Il est avec le médecin. J'espère qu'il va bien, j'espère qu'il va bien. Je l'ai amené ici, moi-même. Ok, docteur, comment va-t-il? Il va bien. Rien de sérieux, c'est juste une petite fracture de l'os. Autrement connue sous le nom de fracture comminutive, ok? D'accord. Okay. C'est rien de sérieux, il ira bien, ok? Je peux le voir maintenant. Est-ce qu'on peut le voir? Il se repose pour le moment. Alors, il a besoin de beaucoup de repos. Alors, les infirmières vous informeront à son réveil, ok? Ok, docteur, s'il vous plaît. Mais je vous assure qu'il va bien, vous inquiétez pas, il va bien. Ok? Ok. D'accord, alors, je vous verrai plus tard. Merci beaucoup, docteur. Merci, docteur, je vais le calme-toi. Voir. Calme-toi, je dois calme-toi. Le voir. Calme-toi, il ira bien, d'accord? Ok. Calme-toi. Docteur, est-ce qu'il va bien? Eh bien, comme je vous l'ai dit auparavant, il a besoin de beaucoup de repos. Ok. Alors, je l'ai endormi. Ok. Je ne veux pas qu'on le dérange, parce qu'il a besoin d'assez de repos. Ok. D'accord, je vais voir d'autres patients. Merci beaucoup. Très bien. Merci beaucoup. Ne t'en fais pas. Le docteur a dit qu'il ira bien. Il ira bien, t'inquiète. D'accord. Eh bien, je dois partir maintenant. Merci beaucoup pour tout, j'apprécie vraiment. Non, pas besoin de me remercier. Tu prends soin de d'accord. toi, d'accord? Merci. Bye. Salut. Comment il va? Il va bien, bonjour. Bonjour. Bonjour, monsieur. Est-ce que tu te sens mieux? Oui, je ressens aussi des douleurs. T'en fais pas, tu te sentiras mieux bientôt, ok? Désolé pour ça. Merci. Je suis juste un peu fatiguée, comment tu vas? Moi, je vais bien. Et toi, ça va? Je vais bien, je suis fatiguée, mais ça va. Je sais. Tu t'es pas reposé depuis la nuit dernière. Tu sais quoi? Rentre à la maison et repose-toi. Va te rafraîchir, moi je vais te remplacer ici. C'est très gentil de ta part. Merci. Est-ce que tu veux quelque chose? Je prendrais bien du poulet. Du poulet et quoi? Avec du jus. Vraiment? Tu dois être fort pour ta mère, tu comprends? Ouais. Bonjour, madame. Comment tu vas? Bonjour, oh, monsieur. Vanessa, ça va? Je vais bien, monsieur. Oh, Raymond, je suis vraiment désolée. Comment tu vas? Je vais bien, merci, je vais mieux. Je suis contente.
Je t'ai apporté ceci. J'espère que tu récupéreras bientôt. Merci beaucoup. Tu iras bien. Prends juste bien tes médicaments. Désolée, ok? Merci, maman. Désolée. Laisse-moi aller apprêter ton bain, ok? D'accord. J'ai aussi faim. Oh, t'as faim? Oui. Que voudrais-tu manger? N'importe quoi. T'es sûr? N'importe quoi, maman. N'importe quoi? Ok, je reviens, ok? D'accord. Désolée. Dieu merci. Dieu est tellement incroyable. Dieu est incroyable. Et si sa blessure était plus grave que ça? Exactement ce que M. Mike a dit. Mais ce M. Mike, il a vraiment essayé. Oui, il a essayé en fait. Oui, il a fait. Mon fils a dit qu'il a eu cette mauvaise fracture et qu'il était capable de l'appeler. Quand il a eu la blessure, ça signifie qu'il lui fait confiance. Oui, c'est vrai. Et il n'a pas déçu. Il n'a pas déçu. Tu sais, mon fils a dit que quand il a eu cette mauvaise fracture, il s'est dit, qui vais-je même appeler? Qui viendra au campus et me chercher? Et devine quoi? Monsieur Mike lui est venu à l'esprit. Oh, c'est tellement mignon. Oui. J'aime les hommes dignes de confiance. Il est digne de confiance et très, très utile. Très utile. Ah. Ça, c'est incroyable. Venant de toi, Rita. De quoi parles-tu? Ah, ok. Tu veux de l'eau? Comment Désolée, ça? Je... Est-ce que tu veux boire de l'eau? Raymond? Ouais, maman. Ouais, le dîner sera bientôt prêt, ok? Ok. Maman, je voudrais te dire que j'ai invité Monsieur Mike pour qu'il dîne avec nous ce soir. Mais il a dit qu'il va me le confirmer car il est en réunion. Alors, pourquoi tu me le dis juste maintenant? Je sais que j'aurais dû te le dire plus tôt. Je suis désolée. Maman, j'aime cet homme. Il m'a appris beaucoup de choses. C'est un homme bon, et il est comme un père pour moi. Ok, maman, qu'est-ce que je peux t'aider à faire? Rien, rien. Le dîner sera bientôt prêt, ok? Sûr? Oui, oui. Chut, va-t'en. D'accord. Vas-y. Ok. Raymond? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est Monsieur Mike. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Monsieur Mike? Il a refusé d'honorer mon invitation au dîner. Pourquoi? Eh bien, il a dit qu'il ne voulait pas un récapitulatif de la dernière fois. Il ne voulait pas venir et ensuite énerver. Voilà. Ok. C'est bon, alors appelle-le. Compose son numéro et donne-moi le téléphone. Tiens. Ok. Allô, Raymond? Pour le dîner, je suis désolé, mais je ne peux pas venir. Eh ben, la raison, c'est que je veux pas énerver ta mère ou faire quelque chose qui la mettra en colère contre toi.
Non, ce n'est pas Raymond, c'est sa mère. Oh. Rita, comment tu vas? Je vais bien, je me porte bien. Alors, votre ami ici est malheureux et en colère parce que vous avez rejeté son invitation. Raymond et ses caprices. Oui, je veux demander si vous... Je veux demander si vous pouvez me faire une faveur et venir dîner ce soir. Wow. Ok, si ça vient de ta part. Ok, merci. Il n'y a pas de quoi. Ok, à bientôt. Bye. Mm-hmm. Il va venir. Oui, il va venir. T'es content maintenant? Oui, t'en fais pas, il arrive, ok? D'accord, maman. D'accord, je vais regarder ce qui est au feu, okay. D'accord? Ressaisis-toi. Maman, excuse-moi, je vais au petit coin. Ok. Je reviens. J'aurais aimé qu'il soit mon fils. Oh. Oh, merci Seigneur pour cette merveilleuse opportunité. S'il te plaît Seigneur, touche le cœur de ma mère et qu'il soit plus doux. Retire toute haine qu'elle a contre les hommes et remplace-la avec un excès d'amour. Et Seigneur, s'il te plaît, donne-lui la grâce de voir les choses autrement et qu'une grande amitié grandisse entre eux. Amen. Pourquoi dites-vous cela? Eh bien, regardez Raymond. Il est tout ce qu'un père peut désirer comme fils. Il est intelligent, il est brillant, il est charmant, il a de bons comportements. J'ai deux filles de mon mariage raté. Et j'espère qu'un jour, j'aurai un fils comme lui. Vraiment? Ouais, bien sûr. Vous savez, à cause de la façon qu'il est mature, je le taquine parfois et je lui dis il est un vieillard dans un corps d'un jeune. Vous savez quoi? Vous n'êtes pas le seul à dire ça. Beaucoup de gens disent ça. Beaucoup de gens le disent. Est-ce que vous savez quand je l'ai encore remarqué? Alors, il y avait ce jour qu'il m'a fait lui demander s'il était mon professeur ou j'étais le sien. Et vous voulez entendre l'histoire? Bien sûr. Je vais vous la raconter. Ok. Alors, un jour en classe, on essayait de résoudre une équation. Mm-hmm. Et j'avais pas les bonnes réponses. Ok. Et là, il les a obtenues. Vraiment? Ouais, et puis je crois que j'avais fait une petite erreur avec la question que j'essayais de résoudre. Et mm-hmm. Là, il m'a appelé direct. Il est très évident que ce monsieur Mike a une très bonne influence sur mon fils. C'est une très bonne personne, sans doute. Mais cette relation avec mon fils
m'étonne. Mon fils l'aime beaucoup. Et il aime Raymond aussi. Il a même souhaité qu'il soit son fils. Il y a cette aura de paix, de positivité et de sécurité autour de lui. Il a l'air très différent des autres hommes de la rue. Entre. Entre. Maman? Raymond? Maman, tu as constaté quelque chose cette nuit? Comme quoi? Mais tu n'as pas constaté que M. Mike est amoureux de toi? Raymond. Maman, c'est vrai. Ses agissements montraient tout. Voilà, compte toutes les chemises et les pantalons, les nouveaux pantalons. Et note tout. Les blancs, mets les blancs ensemble et les autres couleurs ensemble. Salut, mademoiselle Rita. Oh, salut. Comment allez-vous? Je vais bien. Ok. C'est ravissante. Merci. C'est un plaisir de vous voir. Merci, merci beaucoup. Alors, vous êtes venu faire vos achats? Oui, bien sûr, mais avant, j'aimerais vous demander une faveur. Oh, ok. Qu'est-ce que c'est? Laissez-moi vous inviter pour le dîner, s'il vous plaît. Hé. Hey. Mmh? Écoutez, je... Je sais que c'est pas ce que vous pensez, ok? Mais je vous en supplie, juste un rendez-vous, s'il vous plaît. Ok. Vous l'avez en fait mérité, alors... Vraiment? Oui, vous l'avez mérité. C'est une bonne chose. Alors... Dis-moi ce que tu penses. Tu sais, c'est la première fois en 19 ans que je vais me retrouver à un rendez-vous avec un homme. Je sais. T'es au courant? Ouais. Raymond, en fait. Raymond m'a tout raconté. Oh mon Dieu, ce petit fouineur. Qu'est-ce qu'il a dit sur moi? Eh bien, il m'a raconté beaucoup. Mais il y a beaucoup de choses que je connais pas et c'est ce que je veux entendre. Écoute, je veux juste être là pour toi et ton garçon. J'espère que tu t'es pas senti offensé. Non, je ne sais pas par où commencer. Commencer, c'est juste beaucoup de choses qui se sont déroulées dans mon passé. En fait, je dirais que c'est mieux de partager. Et je pourrais peut-être t'aider et cheminer avec toi pendant le processus de guérison. Ça ne te dérange pas, bien sûr. Ok. En fait, il s'appelle Ken. J'étais une fille naïve de 21 ans. Qui est tombée amoureuse de lui parce que je veux dire, il était mignon. Et il avait ce sourire charmant que... Toutes les filles de mon âge tomberaient pour ça. Je lui ai tout donné.
Je l'aimais tellement et je lui ai donné tant de loyauté. Et il ne m'a rien donné en retour. Ah, tout était écrit sur le mur. Tout était vraiment visible, mais... je ne pouvais même pas voir juste devant moi, alors... voilà. Ce que j'ai dit était drôle. Tellement amusant. Tu m'as tellement fait rire. Tu sais que j'aime te faire rire. Oh mon Dieu, vraiment? Bien sûr que oui. Oh. Salut maman. Oh mon garçon, ouais, je vais bien. Salut, comment tu vas? Je vais bien. Bonjour monsieur Mike. Raymond, comment était l'école aujourd'hui? Oh, merveilleux. Oh. T'as pas passé ton temps à suivre les... pas du tout. Je sais qu'il a faim, t'as faim, n'est-ce pas? Alors va à la cuisine et sers-toi n'importe quoi. Et où allez-vous? Ok, nous allons d'abord à la plage et ensuite au cinéma. Oh, waouh! Ouais. Dans ce cas, je me joins à vous. Non, tu ne veux pas te joindre à nous. Deux personnes forment une entreprise et trois, c'est la foule. En fait, je suis d'accord avec ta mère, mais j'ai une proposition. Et si tu sortais avec Vanessa? Ouais, bonne idée. Bonne idée, non? Bonne idée. Eh bien, je vais aller là-dedans et faire une bonne sieste méritée. Bonne idée. Amusez-vous. D'accord, mon cœur. Oh, je te verrai plus tard. Ben, allez, va manger un truc, ok? Mange toute la nourriture à la cuisine. Va se débrouiller, allons-y. Ok. Ok. Les dames d'abord. Merci. Merci. Le studio de doublage d'Aforevo vous propose des services de doublage haut de gamme dans plusieurs langues, dont l'anglais, le français, le swahili, le lingala, le haoussa, le yoruba, le igbo, le twi, etc. Il vous propose également le service des événements directs, des films, des animations, des documentaires et des séries, des publicités radio et télévisées, ainsi que de contenus vidéo en ligne. Nos studios de classe mondiale sont dotés d'équipements HD de pointe. Notre siège social se trouve à Lagos, au Nigeria. Vous pouvez nous joindre via notre email dobbing@aforevo.com, sur Instagram Aforevo Dobbing, sur notre site web www.aforevodobbing.com ou nous appeler sur 01 51 55 88 19 précédé du code +234 si vous êtes à l'extérieur. Aforevo, le guichet unique pour tout divertissement.